Et salut tout le monde, c'est Magnifique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et aujourd'hui on va faire un petit convoi. Et on va partir de Corse parce qu'actuellement je suis en Corse hein. Bah oui, c'est normal parce que je pars de Corse. Donc là on est avec mon petit Scania, le même que la dernière fois hein, je l'ai pas changé. J'ai pas eu de nouveau camion depuis hein. Donc on va tout de suite partir pour aller chercher notre cargaison. J'étais garé là hein. Alors j'ai pas grand chose à dire pendant cette vidéo. Enfin c'est pas que j'ai pas grand chose, je vais trouver des trucs à dire. Mais pour l'instant j'ai pas de trop d'idées en tête. À part que voilà, j'ai le nouveau micro, mais ça je l'avais déjà dit. Donc bref, on va plutôt se concentrer sur le jeu. Du coup j'ai là c'est juste à droite la cargaison. Voilà. Ah ouais, c'est assez stylé. Là, on est dans des endroits avec le DLC de Vive la France. Donc, on va partir à Montpellier. Donc, on va prendre le bateau. Et ça va vraiment être stylé. En plus, on va prendre des petites routes. What? Ah ouais, mais c'est vraiment à des endroits perdus. Mais perso, moi, j'aime bien ce genre de... Ce genre d'entrepôt qui... genre ça rajoute de la difficulté et du changement. Pas que tout le temps les mêmes entrepôts. Voilà, là au moins il y a des trucs qui changent et c'est vraiment cool. Alors il y a une nouvelle mise à jour sur ETS2. Je sais pas du tout ce qu'elle change. J'ai vu sur Steam... Oula, j'ai un petit peu touché mais on n'a rien vu. Hein. J'ai vu sur Steam une image d'une carte des États-Unis. Alors, je sais que ça existe, Euro Truck, American Truck Simulator, donc peut-être c'était une image de ça. C'est peut-être pas la plus grosse mise à jour du jeu, même sûrement pas, mais je sais pas. Bon bref, hein, c'est pas très important. Alors on va essayer de pas faire d'accident. Tout à l'heure, je me suis dit on va partir de Toulouse pour aller à Ajaccio. Mais en fait, en cours, j'étais en train de rouler comme un fou parce que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai la flemme de rouler, de respecter les limitations de vitesse. Alors que, juste pour mon plaisir personnel, ça sert à rien. Mais par contre, évidemment, en vidéo, hein, j'essaye d'être réaliste. Mais par contre, hors vidéo, je m'en fiche d'être réaliste. Moi, je voulais juste aller à Toulouse. Du coup, j'encaissais un petit peu les pourcentages de dégâts hein, sur ma voiture, enfin sur mon camion. D'ailleurs, la physique, elle est très bizarre. Je ne sais pas du tout si c'est réaliste, parce que moi, j'ai jamais conduit de voiture, même de camion. Ouais, c'est plutôt le contraire. J'ai jamais conduit de voiture, surtout de camion, voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, genre quand tu freines, tu as comme un gros angle mort. T'as une zone morte plutôt de la pédale. Et ensuite, à un moment, ça commence à freiner. Mais c'est comme si les roues ils sont bloquées. Alors que je pense pas qu'ils sont bloqués. Et le camion il commence à tourner d'un côté. Oh là là. Mais en fait, quand on roule, on se rend peut-être pas compte on n'a pas l'impression du poids de l'engin. Mais par contre, quand je vous jure, ça m'est arrivé parce que des fois je roule comme un fou. Quand je perds le contrôle, ah là, on sent quand même qu'il y a pas mal de tonnes derrière. Hein. Et voilà. Bon, heureusement, évidemment, je suis riche dans le jeu. Hein. Du coup, ça va. J'ai 15 millions. Et je peux. Avec Cheat Engine, je peux avoir autant que je veux. Donc là. Ça va, je crois je m'étais généré un truc comme 20 millions. Et avec tous les camions que j'ai achetés, tous les garages que j'ai achetés, toutes les dépenses, surtout les réparations, hein, l'essence, tout ça. Là, je suis à 15 millions. Donc, j'ai dépensé 5 millions, c'est vraiment abusé. Bon. En tout cas, moi, perso, j'aime bien ces petites routes de Corse. Et en plus, les paysages sont quand même assez bien travaillés. En tout cas, le DLC Vive la France, en vrai, je regrette pas. Je crois qu'il ne sais plus à coûter combien, un truc comme 5 euros, mais en vrai, ça vaut le coup. Hein. Ça rajoute des routes qui changent et tout. Et ça fait plaisir. Donc, j'ai installé Traffic Density de la version 1.36. Hein.
pour avoir plus de trafic. Parce que je vous jure, tout à l'heure, j'ai joué un petit peu sans, enfin, sans le mode. Il y a, genre, tu vois une voiture, même sur l'autoroute, je m'en souviens, il n'y a aucune voiture, c'est nul. Et c'est très conseillé, hein, si vous avez le moyen au niveau du PC d'installer ce mode, c'est très conseillé. En tout cas, salut à tous les gens qui habitent en Corse, hein. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais si jamais, hein, salut. Et même ceux qui habitent dans le sud, hein. Et ceux qui habitent en France, ceux qui habitent au Canada. Voilà, bon, je vais pas faire tous les pays. Moi, je suis pas une star internationale, donc il n'y a pas 300 millions de personnes qui regardent mes vidéos, donc je pense pas qu'il y a des gens qui viennent de Colombie ou de Malaisie ou de je sais pas où, hein. Faut pas rêver non plus. Mais peut-être y en a qui viennent de Corse, donc salut à vous. En tout cas, ouais, là, quand même, il y a pas mal de trafic. Il y a une petite voiture de police. Bon, on risque pas de dépasser les limitations. C'est limité à 80, mais si tu vas à 80, tu vas dans le mur. Moi, j'aurais plutôt conseillé une limitation à 50, c'est abusé quand même. Il y a des routes où ils te mettent une punaise de limitation à 50, alors que c'est une ligne droite. C'est abusé. Et là, ils te mettent à 80, alors que si tu vas à 80, tu vas dans le fossé. Le radar. Tac, petit appel de phare. Bon, dans la vraie vie, là, je me fais arrêter. Non, mais en tout cas, ETS, j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais vraiment, c'est pas un jeu dépassé du tout. Les graphismes, il y a eu quelques mises à jour. Bon, c'est. Ouais, mais vraiment, au niveau graphisme, c'est joli, quoi. C'est pas dépassé du tout. En plus, il y a les petits chevaux. Ah ouais, en plus, ils sont animés, c'est vraiment stylé. En tout cas, nous, on poursuit notre route et après, on va prendre le bateau. Ça va vraiment être stylé parce que y a vraiment un port qui a été modélisé spécialement. Enfin, je sais pas s'il a été repris quelque part, mais en tout cas, il est vraiment bien fait le port. Et en plus, le bateau, le gros ferry là, il est super beau. Ah, le clignotant, faut pas oublier. Ah, voilà, là, il y a un petit peu moins de trafic et là, je vois un camion au loin. Super, il va nous ralentir. Bon, évidemment, je vais pas doubler sur cette route, hein, faut pas rêver. Sinon, je vais me prendre une voiture dans la face et. Ce sera pas super. Hein. En tout cas, la nuit commence à tomber. Si ce sera la nuit, j'hésiterai pas à dormir parce que j'ai pas envie de voyager pendant la nuit. Parce que la nuit, on voit rien et voilà, le jour c'est mieux. Peut-être je passerai prendre de l'essence. De toute façon, si ma livraison elle est en retard, je peux vous dire que je m'en fiche, mais d'un point. Je m'en fiche complètement. En tout cas, vraiment, ils sont vraiment bien détaillés, les villes. Et ah, il y a un petit port. Bon, ça sera pas là où on va aller, hein, parce que c'est. Hein, ah, si, vous voyez? Bah, si, c'est ce port. Hein. Vous voyez le gros bateau le gros ferry là? Bah, c'est le nôtre. Et il est vraiment étonnant. Il est vraiment intéressant. Ah oui, mais en fait, moi, je suis. En fait, moi, au niveau des passions, j'aime bien les voitures, j'aime bien les avions. Mais en fait, j'aime un petit peu tout ce qui est véhicule et engin. Je suis pas spécialement fan des motos. Parce que je sais pas, voilà. J'aime bien les voitures et voilà, c'est déjà suffisant. Mais je pense que les bateaux, en vrai, je pourrais. Bon, il faut pas que j'aie 300 000 passions dans ma vie. Parce que ça ferait un petit peu trop quand même. Mais en vrai, les bateaux. Quand même, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gros jeux de simulation de bateaux, mais en vrai ça pourrait m'intéresser. Mais déjà il faudrait qu'il y ait des jeux. Alors ici il y a une petite, voilà, une petite pente. On va pas, parce que je m'en souviens tout à l'heure, j'étais rentré à 50 dedans, hein. Ça fait un petit saut. Mais bon, ça il faut pas le dire, mais on s'en fiche. Hein. Le réalisme est au maximum. Alors, on va prendre pour Marseille. En même temps, il n'y a pas trop de solutions. Hein. J'ai le moteur allumé, d'accord. Donc, ça veut dire que pendant toute la traversée, j'ai laissé le moteur allumé. C'est très écologique. Hein. Et là, on arrive à Marseille. Et on change un petit peu de paysage. Même si on reste un petit peu dans le paysage du sud. Et on va rejoindre la route.
Il y a pas mal de zones en travaux ici. Pour faire en mode la route barrée. Hein. Non, sinon, on sait très bien que ils avaient la flemme de. Ah, merci, il me laisse passer. Bah, c'est toi qui avais les... c'est toi qui avais la priorité, mais bon, on s'en fiche. Hein. Mais ouais, mais je trouve les IA, souvent, ils nous laissent passer comme ça. Ils sont assez gentils. Hein. Bah, tant mieux. Mais bon, des fois. Non, mais en vrai, les IA de retrait qui sont assez bien. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Attends. Ah, il est 8h. Oh, mais c'est cool. Je me suis dit. Attends, il est quelle heure là? Parce que j'ai pas envie de rouler la nuit. Et grâce au chemin en bateau, bah, on a évité toute la nuit. C'est parfait. On est arrivé à 8h. Mais c'est trop bien ça. Je pouvais pas arriver. Par contre, là, attends, juste le trafic. Il y a personne à gauche, tout le monde à droite. C'est un petit peu abusé quand même. Moi, je suis incroyable parce que quand il y a pas assez de trafic, je râle. Et quand il y a trop de trafic, je râle. Bon, il faut bien savoir. Bon, en tout cas, moi, perso, je préfère comme ça. Hein. C'est bien. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai essayé de. Enfin, j'ai vu dans la vidéo trafic, d'ailleurs, qui vous a pas mal plu. Je pense que j'en referai. Super, je m'arrête alors que l'autre est tourné. C'est très utile. Ah oui, il faut. En fait, je crois que depuis le début, là, j'oublie 70% du temps, là, le clignotant. Voilà, là, j'ai pas oublié. Hein. Heureusement. Donc, oui, donc, dans la vidéo trafic sur Assetto Corsa, j'ai vu qu'elle vous a pas mal plu. Donc, je referai certainement. Et ouais, et j'ai remarqué dans la vidéo, on entend quand même beaucoup plus le son du volant. Qu'avec mon ancien micro. Alors j'essaie de régler ça. Bon, pour l'instant j'ai pas trouvé trop. Il faudrait plus que je cherche. Mais en tout cas là normalement vous allez pas trop entendre parce que il y a pas un très gros retour de force. Du coup le volant il fait pas beaucoup de bruit. Et j'utilise pas les palettes parce que les palettes font beaucoup de bruit. J'utilise le levier de vitesse donc ça va. Enfin j'utilise comme les palettes pour les clignotants et tout. Mais je les utilise pas souvent. Donc je vais faire au mieux. Voilà. Bon, on va pas rouler à 90, hein, évidemment. Allez, un petit 130. Ouais, pas plus parce que sinon. Sinon, ça va me rappeler des mauvais souvenirs. Comme les fois où j'étais à 150 en camion. Et qu'il y avait un virage, je me suis dit, ouais, bon, ça va, il passe à fond. Hein. Et en fait, genre, sur Eurotruck. Si, punaise. Bon, allez, vas-y, passe. Si ton camion il commence à pencher un petit peu, en fait, genre, des fois il penche, même souvent, alors que tu t'y attends pas. En fait, la physique du jeu est tellement compliquée à prévoir. Et voilà, je dois aller à droite, c'est super. Je suis très. En fait. Oh punaise, je fais n'importe quoi. Je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est n'importe quoi. Ouais, du coup, en fait, la physique est difficile à prévoir. Et quand tu commences à tanguer, alors soit il faut tourner du sens opposé du virage pour remettre la voiture droite, mais du coup, ton virage, bah, tu le prends tout droit, donc c'est le mur, hein. Ou soit, bah, en fait, c'est de la chance, en fait. Tu essayes de contrôler et tout. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et plusieurs fois, je me suis retourné. Et après, tu te prends un bon petit 50% de dégâts là. Et le moteur, il cale tous les kilomètres. C'est abusé. Mais bon, en tout cas, hein, des fois, je fais n'importe quoi sur le jeu. Et faut faire quand même attention. Alors là, on est dans un petit. Petit péage. Alors je passe pas au télépéage même si je peux parce que voilà, j'ai envie de m'arrêter. Allez, tu avances. Ah oui, parce que quand on se colle trop. Allez, accident. Ah oui, derrière. Oh mince. Mais vas-y, avance. Oh là là, accident. En plus j'étais en 5, super, j'ai calé. Allez, super. Et encore une fois, bonne année, hein. Merde. Oh, j'ai éteint le moteur, super. Ok, c'est bon, j'ai payé. Allez, accélère. Bonne année encore une fois, hein.
Bonne année 2019, bonne santé, les meilleurs vœux, tout ça. Vous connaissez le truc, on va pas répéter 10 000 fois. Hein. Je suis sûr qu'il y a personne qui regarde actuellement. Encore une fois, j'avais déjà parlé dans une vidéo à Stokorsa il y a un temps. Vous l'avez pas vu, forcément, c'est sûr. Bon, je m'en fiche, mais de toute façon, s'il y a des gens qui regardent à ce moment-là de la vidéo, juste merci. Ceux qui regardent pas les vidéos en entier, je comprends totalement. Même moi, quand je regarde une vidéo, enfin, ça m'arrive de passer. Enfin, en ce moment, souvent, je regarde les vidéos en entier. Mais bref, on n'est pas là de parler de moi, on s'en fiche. Mais je vous comprends totalement de si vous passez les vidéos. Hein. Moi, je m'en fiche totalement. Vous faites ce que vous voulez. Et de toute façon, une vidéo c'est fait pour se divertir, donc hein, si on se force à regarder en entier, bah ça sert à rien. Hein, voilà. Donc, si vous voulez regarder que la fin de la vidéo, regardez que la fin. Hein. Faites ce que vous voulez. Bon. Vous êtes libre. Hein. Vaut mieux en profiter. Mais bon, si jamais au passage il y a des gens qui regardent mes vidéos en entier, bah merci beaucoup. Voilà. Même ceux qui les regardent tout court, déjà, c'est. Merci beaucoup, déjà. Bon, voilà. En fait, je pense que c'est un peu nul de dire merci parce que. Mais évidemment, enfin, c'est pas parce que je vous aime pas ou quoi, mais. Mais. Alors, désolé, la voiture. J'étais un peu coupé la route, on s'en fiche. Hein. C'est un IA, donc. Voilà. Alors, on en a rien à faire, évidemment, des IA. Donc, mais en fait. Ouais, donc je disais, dire merci, en fait. C'est un peu nul. Parce que merci, merci, tout le temps merci. Genre, genre j'avais 1 000 abonnés et j'avais rien d'autre à dire que merci. Bon, évidemment, merci. Enfin, oh, punaise. C'est quoi cette discussion? Oh, je sais pas. Et en plus, je crois que je vais laisser ça au montage. Ça va être le. Waouh. C'est la pire vidéo de ma chaîne. Ouh là là. Bon, allez, je vais me calmer. Mais en fait, je sais pas si vous. Si, je sais pas comment dire, mais. Mais c'est un peu nul de dire merci parce qu'on a compris que j'étais content et que voilà, je voulais vous remercier. Mais je dis trop souvent merci. Bon, voilà. Alors, on va aller à gauche, hein. Je sais pas, je vais garder ce montage. Ça sera le bon moment nul. Et je vais le garder, bref. J'ai l'impression que j'ai. À des moments, je me dis, vas-y, je vais arrêter la vidéo parce que c'est tellement nul. Mais non, de toute façon, personne regarde, hein, la vidéo au milieu, donc je peux dire n'importe quoi. Hein. C'est pas grave. Lol. C'est abusé. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que quand je fais mes vidéos, je me prends pas la tête. Et je kiffe faire des vidéos, voilà. Respecte les limitations de vitesse. Hein, et je suis très concentré. Ouais, donc je respecte les limitations de vitesse. Alors c'est lui là qui m'a flashé. Je vais te défoncer, mec. Ouais, non, il roule trop vite. Ah zut. Bon, ouais. Oui, donc je respecte les limitations de vitesse, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je me suis pris une amende. Bon, on s'en fiche, je suis riche, hein, donc voilà. Alors là, on va à droite et bah. Alors ça, à la limite dans le jeu, on s'en fiche si ça m'arrive, cette situation. Mais ça, quand ça arrive dans la vraie vie, soit tu t'arrêtes sur l'autoroute, ce qui n'est pas une très très bonne idée. Soit tu coupes la route à tout le monde et au passage les petites lignes blanches là qui servent à. ouais, donc oui. Ouais, non, ouais, les lignes blanches, ils servent beaucoup, hein, parce que pour la sécurité de tous, évidemment, c'est important, la sécurité. Du coup, évidemment, c'est très bien de mettre les lignes blanches. Voilà. Sinon, bah, en tout cas, il y a une végétation typique du sud de la France, donc c'est assez bien fait, hein, j'ai envie de dire. Voilà. On arrive à Montpellier, j'allais dire Montélimar. Mais c'est quoi Montélimar? C'est une ville, Montélimar, voilà. Mais pas du tout. C'est Montpellier, voilà. On arrive dans 38 minutes. Donc ça veut dire genre 3 minutes. Bon, je veux pas refaire le calcul chaque kilomètre, sinon on va pas y arriver. On n'oublie pas le petit clignotant qui fait plaisir. Voilà. Alors, on n'a pas fait de dégâts pendant le trajet. Donc, c'est plutôt pas mal.
Enfin, heureusement que j'ai pas fait de dégâts parce que normalement je suis censé en vidéo conduire normalement. C'est-à-dire très rapidement. Non. On est derrière un bus. Alors j'ai vu qu'il y a le feu, il est vert. Si. Oh non, il va s'arrêter. Ouais, donc je respecte les limitations. Je respecte les limitations, mais peut-être pas les feux rouges. Enfin, même les limitations, je les respecte pas. Mais bon, on s'en fiche, hein, vous avez rien vu. Façon, personne n'est en train de regarder la vidéo. Hein. Parce que même si la vidéo a 40 vues, je sais pas quoi. 40 vues au début, mais 0 vues à la fin. Bah, évidemment. Je vous comprends. Et libre à vous de regarder n'importe quel moment de la vidéo. Si ça se trouve, personne m'écoute. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Il faut bien que je fasse la vidéo. Donc, Bon, allez, je commence à parler de trucs de n'importe quoi, vraiment. C'est n'importe quoi que j'invente. En fait, peut-être cette vidéo, je me suis dit, ok, je vais parler, je vais pas me casser la tête, je vais parler de ce que j'ai envie de parler. Et je vais pas me comment dire, je vais pas me fait, enfin, en gros, je parle, voilà. Et c'était une mauvaise idée, clairement. Parce que là, du coup, je sais pas si je vais couper dans la vidéo. Déjà, je sais pas si quelqu'un m'entend. Ça fait 10 000 fois que je le dis dans la vidéo. Mais je sais pas si je vais couper. Mais à des moments, je dis des trucs. Mais c'est pas intéressant du tout. Et en fait, c'est pas un stop, ça me saoule. Et je calme. Ah oui, j'étais en 6e en même temps. Tu m'étonnes qu'en 6e, on cale. Hein. Et ouais, du coup, c'était une mauvaise idée de voilà. Vous avez compris. Mais c'est ça qui est... Je sais pas comment t'es. Allez, bref, là, on arrive dans un endroit où ils font du vin. C'est assez bien fait. Attends, on va livrer quoi? Punaise, une voiture de police, elle me suit. C'est bien une voiture de police. Attendez. Dans le rétro. Bon, bref, je sais pas. Hein. J'arrive pas à voir. Mais c'est abusé. Alors, attends, juste. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me contrôler? C'est ça? Ah, peut-être un petit contrôle de migrant. Hein. Il a mis les warnings. Tant mieux. Est-ce qu'il avance? Ah oui, il avance. Ça se... Bon. On est en train de se faire poursuivre. Hein? Contresens? Mais. En fait, le mec, clairement, il me suit jusqu'au moment où je fais une infraction. Bon, bah, du coup, apparemment, on est en contresens, mais. ça plante. Je sais pas ce que le jeu a. Je sais pas ce que les développeurs ont fait, mais où tu veux que j'aille? Il y a une seule route. Le policier, il me suit juste. Il attend l'infraction. Il me dit contresens, super. Bah, en plus, il me suit, il est trop bête, lui. Il me dit contresens. En plus, il me suit vraiment jusqu'à l'entrepôt. What? Il va pas rentrer dans l'entrepôt. Non, il s'arrête là. Ah, il a des spawns au calme. Il croyait qu'il me voyait pas. Ouais. Ah mince, j'ai raté le truc. Oh zut. On va faire marche arrière. En espérant de pas mettre la remorque en cacahuète. Tac, c'est bon. Mais pourquoi j'ai un moteur? Ah oui, parce que... D'ailleurs, j'ai Forza Horizon 4. J'aurais pu parler de ça. évidemment, je commence à en parler à la fin de la vidéo. Vas-y, je m'en fiche, on va faire un truc. On va vraiment faire. On va essayer de se garer en marche arrière, ce sera la galère, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai Forza Horizon 4, je pense pas que je vais faire de vidéo dessus, parce que genre, ça serait mon. Parce que je joue pas du tout que aux jeux que je fais en vidéo. Il y a plein de jeux que je joue hors vidéo. Mais parce qu'il y a un certain jeu où vraiment c'est pas facile de faire des vidéos, notamment Forza Horizon 4. Genre, et en plus, à la limite, si je fais un let's play du jeu, vraiment, mais genre, je joue au jeu que avec vous, bah, pff, ouais, non, mais sur ce genre de truc, ça va durer 5 vidéos et après, j'aurais plus envie. Non, mais sur. Il y a des youtubeurs, ils font des très bonnes vidéos sur. Sur Horizon 4, ils arrivent à faire des trucs intéressants et tout, mais moi en fait j'ai pas ce don là de. En fait, moi déjà pour que je fasse
une bonne vue. Enfin, pour que la vidéo soit un minimum intéressant, il faut que le jeu soit un minimum intéressant. Et moi j'ai je y a des grands youtubeurs qui ont beaucoup qui ont un don pour transformer les jeux pas ultra intéressants en trucs vraiment cool et tout. Mais ça je c'est pas donné à tout le monde et pas à moi, voilà. Pendant que je parle, hein, je me suis garé. Alors je me suis garé. Attendez. Voilà. Je me suis garé comme un cochon, mais tant que c'est vert, hein. Voilà. Moi je suis content. Et du coup, je vous parlais. En fait, j'arrête pas d'éteindre le moteur parce que j'ai habitude de Forza Horizon 4. Moi, le bouton pour éteindre le moteur sur ETS, c'est le bouton pour accepter sur Forza. Voilà, je voulais juste dire ça. En gros, voilà, j'ai rien à dire. Bref, du coup, Forza, hein, je jouerai de mon côté. Ajoutez-moi un ami. Alors, j'ai pas de Xbox, je joue. C'est pas compliqué à dire, mais je bug. C'est abusé comment je fais. Je joue sur PC, voilà, mais vous pouvez quand même m'ajouter. Mais je comprends rien à Xbox, tout ça, hein, c'est pas mon truc. Bref, je joue sur à Forza, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et je ferai très certainement pas de vidéo dessus. Et je trouve que c'est un bon jeu quand même. C'est un bon jeu, il y a tout le temps des trucs à faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!